Bien le bonjour. Donc, très brève capsule qui vous montre tout simplement comment créer un forum. En fait, le forum se crée très rapidement, très simplement. Le plus gros défi d'un forum, ce n'est pas la création de celui-ci, mais plutôt l'accompagnement pédagogique et l'utilité pédagogique de celui-ci. Donc, c'est véritablement là tout le défi. Généralement, autant les profs que plus particulièrement même, les étudiantes et les étudiants remettent souvent en question l'existence du forum, puisque malheureusement, trop souvent, on oublie d'accompagner et de soutenir surtout la raison pédagogique d'un tel forum, donc d'une telle activité de partage. Alors, il est hyper important de bien soutenir l'existence pédagogique ou l'utilité pédagogique de ce forum et surtout d'accompagner, d'encadrer les forums. Donc, non pas nécessairement de manière sommative, donc non pas nécessairement en octroyant des notes, mais plutôt en alimentant les forums, en questionnant constamment dans les forums, donc justement une manière de l'alimenter, mais également en suscitant l'intérêt de toutes et tous à travers les différentes discussions qui seront lancées. Voilà pour ce qui est de l'introduction des forums, c'était vraiment le principal point. Donc, lorsqu'il s'agit de créer un forum, eh bien donc on peut tout simplement alors créer le forum comme tel. Alors on peut avoir un forum à activer. Vous voyez que par défaut, on a un forum de classe. Alors, ce forum n'est actuellement pas en fonction. Alors, je peux dire, activer ce forum dès maintenant. Alors, oui, absolument. Donc, je souhaite activer le forum de groupe. Voilà, c'est fait. Donc, ensuite de ça, est-ce que je souhaite modifier le forum en question? Est-ce que je souhaite le rendre disponible? Donc, possibilité de lire et d'écrire des messages, ou sinon possibilité de lire sans écrire de messages. Alors là, dans ce cas-là, ce serait moi qui publierais certaines choses dans un forum et les étudiantes et les étudiants pourraient simplement lire le tout ou rendre tout simplement le forum inactif ou suppression définitive de ce forum et de son contenu. Alors voilà. Bref. À moi de voir. Donc à vous de voir, finalement. Voilà pour ce qui est du forum de la classe. Alors, on peut évidemment créer ce forum-là. Sinon, si on revient au forum tout simplement de manière plus générale, alors je peux également, comme je vous le mentionnais dans deux autres capsules concernant Léa, alors on peut également créer des forums par équipe. Alors, dans ce cas-ci, moi, jadis, j'avais décidé de créer des forums par équipe, c'est-à-dire l'équipe des biens moyens, l'équipe des flambeaux, l'équipe des grands champions. Mais vous voyez que ces forums-là ne sont pas rattachés à mon cours. Mon cours que j'ai créé en 2020 versus mes forums que j'ai créés en 2015. Donc, ça fait quelques années déjà que je crée différents tutoriels ou des démonstrations. Donc voilà, ça c'était tout simplement des créations. Et vous avez un bel exemple du fait que effectivement ils ne sont pas rattachés à un cours. Alors je pourrais décider de personnellement créer ou de juste réutiliser ces vieux forums et de supprimer les messages, etc. Donc de faire un ménage dans le forum, mais d'intégrer tout simplement d'autres étudiants. Donc, je pourrais aller chercher d'autres étudiants de différents groupes afin de leur permettre de discuter ensemble, même s'ils n'appartiennent pas au même groupe ou même au même cours. Donc, voilà ce qui est possible également de faire dans un forum par équipe. Donc, il y a ça qui est toujours possible. Lorsque vous voulez gérer les forums par équipe, donc je vous rappelle évidemment, vous pouvez bien sûr y accéder à partir de cet onglet-ci, mais également par forum, par équipe. Alors ça, c'est vraiment dans mes services de manière plus globale. Alors je suis capable vraiment d'avoir accès à mes forums par équipe là aussi. Donc voilà pour ce qui est de la création d'un forum de discussion, mais je vous rappelle évidemment toute l'importance de l'accompagnement et de l'encadrement des forums si on veut que ceux-ci demeurent pédagogiques et utiles et efficaces et agréables également, autant pour vous que pour les étudiantes et étudiants qui les remettent très, très, très souvent en question, puisque finalement les forums demeurent relativement inactifs, même si vous le rendez actif. C'est pas parce que vous le rendez actif que les étudiantes et étudiants l'exploiteront s'ils n'en sont pas obligés. Et même lorsqu'ils en sont obligés, je peux pas vous dire que c'est nécessairement toujours apprécié, puisque si c'est seulement par obligation, ce sera pas nécessairement par utilité. Donc voilà, à vous d'y réfléchir et par la suite de les créer, mais comme vous voyez, c'est rapide, très simple. Merci.